Bonjour à tous, ici Cléa Simon, on se retrouve pour ce 57e épisode sur Europa Universalis 4 en tant que Najd. Et on continue tranquillement de s'étendre. On avait aidé nos vassaux, on continue d'aider d'ailleurs nos vassaux pour nous étendre de plus en plus. Et j'espère bien y arriver. Tiens, on va pouvoir faire une paix blanche avec eux. Ce qui va m'arranger, très bien. Et on va pouvoir monter de technologie aussi, technologie militaire niveau 23. Et là, ça va nous donner encore un petit peu plus de puissance avec les mousquetaires musulmans améliorés. Et on va prendre... ça pose question, ça. Peut-être la cavalerie améliorée d'Ali Bey, qui serait plutôt pas mal. Notre général est décédé. Oui, mais on n'a plus de points pour l'instant, donc ça va attendre. Et de ce côté-ci, on va attendre les 10 jours pour terminer notre dernière guerre. Enfin, notre dernière guerre, la guerre la plus ancienne que l'on ait déclarée, en tout cas. Voilà, et on aura donc détruit un nouveau pays. Pendant qu'il y a des rébellions. Mais bon, ça, les rébellions, on peut tout à fait s'en charger. C'est pas trop un problème. Par contre, ce que j'aimerais, moi, c'est très prochainement monter. Pas avant. Ah, pas avant beaucoup d'années, par contre. Ça, c'est un problème, ça. C'est vraiment un problème. Parce que annexer les Timouris des Moultanes, ça va nous demander énormément de ressources. Et si on les a pas, forcément, c'est pas avec les 470 que l'on a ici que l'on pourra faire grand chose. Malheureusement. Allez, la bataille ici s'est plutôt bien passée. D'ailleurs, il faut qu'on attaque aussi... le Tabaristan. Et là, il est où le dernier bateau qui est en construction? J'ai un bateau qui est en construction, mais je ne sais pas où... Ah bah oui, d'accord, il était bloqué. Bon, ben, on va envoyer eux du côté du golfe d'Aden. Pour faire en sorte qu'on gagne un petit peu au niveau économique et que cette horde-là ne disparaisse pas. Quoique en fait, on n'a pas assez de marchands en fait. C'est peut-être pour ça que ça pose problème. Transférer la puissance commerciale. Ah, ça c'est beaucoup plus intéressant. 8 qui vont de ce côté-ci. Peut-être plus vers le nord, puisque pour l'instant c'est ici que se trouve notre nœud commercial principal. Mais bon, il va falloir attendre la mise à jour. Mais déjà, on devrait gagner un peu plus au niveau... Ah oui, déjà, plus 7 d'or. Donc là, c'est plutôt pas mal. Très bien. On va prendre le golfe d'Aden. Envoyer. Ok. Nous gouvernons comme bon nous semble. On va envoyer un peu d'argent. C'est très bien. Les Ottomans sont en guerre encore. Ah oui, oula. Par contre, nos vassaux, ça va pas bien. Pas bien du tout. Problème de la Crimée. Hein. C'est rarement... ils ont vraiment du mal, généralement, à gérer leurs vassaux. Donc on va gérer pour eux un petit peu... Tant qu'on n'a pas attaqué Gênes, ça va être toujours comme ça en fait. Mais on ne pourra pas attaquer Gênes si l'Autriche ne vient pas nous aider pour sa guerre. Alors quand est-ce qu'ils arrêtent leur guerre avec la Russie? En 93. Donc dans 3 ans, on verra s'ils veulent bien venir avec nous contre la Russie. Ce qui pourrait m'arranger. Ok, Kaffa vient de tomber. Et ça va être notre dernière guerre pour le moment. Ok, très bien.
On va pouvoir monter l'agitation, ça pas de problème. Et on va envoyer toutes nos armées. Par contre, plus de ce côté-ci, puisqu'on va prévoir d'attaquer le Maroc. Et non, bah, je vais pas monter tout de suite. Je vais regarder un petit peu. Je vais essayer de conserver mes points de diplomatie pour me permettre de, bah, tout simplement de pouvoir annexer les Timourides. Oh, les Timourides ont récupéré des provinces. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ok. Ah, et Maharashtra est en guerre contre Delhi. Bon, bah, pour récupérer une province de Delhi, pourquoi pas. C'est pas ce qu'il y a de plus important pour nous. Quoique j'aurais pu apporter mon armée du côté plus au sud, c'est-à-dire plutôt de ce côté-ci, parce que si je veux attaquer Kilwa. Ok. La Crimée. Ukek. Ok, Ukek, c'est où? C'est ici, d'accord. On va continuer les falsifications. Par contre, sur la Russie. Voilà, ça serait pas mal. Et je serais presque partant pour que mon dirigeant décède pour laisser le suivant en prendre le pouvoir, même s'il est moins bon. C'est surtout pour faire en sorte que ça se passe beaucoup mieux. De ce côté-ci, est-ce que les provinces ont été... ok. Non, il les a toujours pas... Pourquoi il a autant d'agitation? Ah d'accord, il essaye de s'occidentaliser en plus. D'accord. Ah bah oui, forcément ça rassure. Ok. Et comme il s'occidentalise, il peut pas tout simplement. La Crimée ne peut pas. Comment dire? Elle peut pas corer les provinces. Donc forcément, là. La lassitude de guerre, plus l'essor rapide, plus la légitimité, la stabilité négative, etc. Ça lui pose des problèmes. Et nous, on essaye de, tout simplement, mettre tout ça dans le bon ordre. Ce qui n'est pas très très bon pour nous, faut bien l'avouer. On est à 190 pour Moulten, d'ailleurs. Je le prononçais toujours mal, hein. C'est pas que je veux pas, c'est que... Voilà, j'ai du mal, beaucoup de mal, et même si j'essaye de me reprendre, c'est compliqué. Voilà, on va pouvoir amener une armée de ce côté-ci pour préparer une attaque sur le Maroc dès qu'on pourra. Je vais continuer toujours d'augmenter ma flotte de commerce. Comme ça, au moins, on va pouvoir s'assurer, je pense, un peu de revenus. Et puis rendre une flotte bien plus puissante aussi. Parce que ça serait pas mal. Sinon on va avoir du mal hein, pour les guerres qui vont se passer par ici. Allez, nouveau chef militaire, ça serait plutôt pas mal. Ah, 4, 5, 3, 1. Ça c'est plutôt bon. Même très intéressant. Faudrait qu'on améliore nos relations avec l'Autriche, même si elle nous aime beaucoup. Et digne de confiance. Mais bien sûr, je suis digne de confiance. Même la Lituanie m'aime bien, donc alors qu'il désire certaines de mes provinces quand même. Pourquoi pas? On va continuer les revendications sur la Russie. Ça pourrait être pas mal. Non, on va d'abord faire la revendication sur la Russie, je préfère. Avant d'essayer de voir pour annexer les Timourides. Bon, déjà, ça fait baisser la lassitude de guerre, ce qui est plutôt intéressant. Je crois que mes vassaux m'en remercient. Parce que la Crimée, là, je sais pas où il en est au niveau de... D'accord, bon, les Timourides vont certainement nous demander pour...
D'accord, l'agitation vient de retomber. Accepté. Peut-être parce qu'il y a eu un soulèvement récent. Voilà, c'est ça. Bon, ça s'est calmé, c'est déjà bien. On va continuer et on va aller taper du réactionnaire pour eux. On fait un peu de ménage, hein, ça fait pas de mal. Surtout que moi j'accumule des points de ce côté-ci. Allez, plus de prestige encore, ça c'est très bon. Par contre, la légitimité est pas très haute, hein. Juste 30, c'est pas beaucoup, hein. Toi, est-ce que tu veux bien arrêter tout de suite? Ce serait pas mal ça. Alors, la Sibérie, qu'est-ce qui se passe? D'accord, ils sont en guerre avec la Russie. Bah, vous n'avez pas besoin de mon accord pour aller attaquer la Russie, hein, de toute façon. Par contre, moi, je vais pouvoir attaquer la Russie. Ce qui m'intéresse, ça. Parce que ça veut dire qu'il va falloir que, par contre, je déplace des troupes de ce côté-ci. Ou tout au moins que je laisse mes alliés faire la bataille. Peut-être en profiter pour attaquer Gênes, d'ailleurs, au passage. Ça pourrait être intéressant. On va voir ça. Multan, tu es... Ok. On va faire comme ça. Et je vais voir pour attaquer la Russie. Déclarer la guerre. Jusqu'en octobre. Ah, 93. Ah, j'avais pas vu ça. Bon, on va améliorer les relations, hein. On va continuer un petit peu encore. Et surtout, c'est faire des revendications sur Gênes qui m'intéressent. Pour pouvoir attaquer le pays. Quoique déjà, juste la reconquête, je pense, ça sera pas mal. Ça pourrait être intéressant. Mais j'ai pas envie d'attendre, par contre, 2 ans. Ça me pose un problème, ça, attendre 2 ans. Côté du golfe d'Aden, ce serait pas mal. Et c'est quoi cette 13e flotte? Ok. J'avais pas de flotte du golfe d'Aden? Eh non, bon d'accord, commerce Aden alors. Si, j'en ai une. Sauf qu'ils se sont pas rencontrés, d'accord, ils sont pas encore vus. Et bon, c'est pas très grave. Je me pose quelques questions. Il n'y a pas de. Qui est trêve terminée avec un petit peu tout le monde. Ah, bah, quoi qu'on pourrait même en profiter plutôt que faire la guerre avec Boukhara rapidement. On va faire la guerre rapidement avec Boukhara. Ça devrait permettre de récupérer vite des provinces pour les Timourides pour finir justement de leur en donner. Et bon, les rendre un peu plus gros avant de les annexer. Pourquoi pas. Et on pourrait tout à fait gérer notre guerre avec... Ok, déclarer la guerre du moment qu'il m'en reste. Agitation nationale moins 1, ça me va. Et c'est parti. On va essayer donc... C'était une guerre de reconquête. Donc ça devrait aller. Ça coûtera beaucoup moins cher. Je vais pouvoir me permettre de baisser le coût des constructions. Ce qui me permettra peut-être de construire quelques bâtiments. Ok. Ok, ça c'est plutôt pas mal. De ce côté-ci... Je place mes armées tranquillement. La stabilité négative, unité religieuse, nationalisme, ok, influence occidentale, ok. J'aimerais savoir où ils en sont au niveau de leur occidentalisation. Ça pourrait être vraiment intéressant de le savoir. Bon, on va
prendre l'Oural, hein, parce qu'il nous reste plus que ça comme mission. Et on est à 100% en piété, ça c'est pas mal. Enfin, en impiété plutôt. Siège de Balk, pris, d'accord. Ouais, est-ce que j'attaquerai Gugé? Est-ce que Gugé a des revendications? Ah, quand même. Bref, c'est deux provinces, c'est pas intéressant ça. Pas intéressant du tout. Par contre, annexer Gugé, oui, pourquoi pas. Ça pourrait tout à fait se faire. Il n'y a pas vraiment d'enjeu énorme de ce côté-ci. Ok, 93 arrive bientôt. Qu'est-ce que je peux prendre comme province? Ah d'accord, la Russie est déjà en train de prendre toutes ces provinces-là. Ok, bah je pense que je vais prendre que Boukhara dans ces cas-là. Peut-être prendre quelques provinces pour moi, mais ça va être, je vais avoir du mal à donner des provinces aux Timourides, hein. Au moins, ça me permet de faire durer le temps pour enfin, gagner du temps en fait là-dessus. Comme ça, au moins, je pourrais. Plus le niveau de contentement de mes vassaux est haut, mieux ce sera. Allez, on enlève la pause. Je vais mettre un chef quand même, chef militaire, ça serait pas mal. Alors, on va rien pouvoir prendre, je crois, à nos adversaires. Ça va être un peu gênant. Bon, peut-être quelques provinces pour nous, mais ça sera bien tout. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, je suis actuellement à 267 provinces. Hein, donc, j'ai passé la moitié déjà. Même si il faut moins d'un siècle pour récupérer 200 provinces, ce qui va être un peu compliqué, faut bien l'avouer. Mais on va essayer, on va essayer. J'ai patienté beaucoup, enfin j'ai perdu beaucoup de temps dans cette partie, donc bon, c'est normal que j'aille beaucoup moins vite. Ok, Gugé, ils sont morts, et Gugé en plus c'est occidentalisé. Non, même pas, d'accord. Groupe chinois, très bien. Ah, de ce côté, ça se passe plutôt pas mal. Alors, 28. Ouais, ça devrait se passer, je pense, assez rapidement. On a quand même quelques bonus. Donc, oui, voilà. C'est déjà moins 28 à 7%. Et en plus, on a fait une brèche dans le mur. Donc, on a un bonus de plus 4 déjà. Ce qui est plutôt très bien. Kaffa fait partie de notre province. On va essayer de prendre rapidement. De prendre rapidement Gugé. Ouais, nationaliste de Kaffa, ça risque pas trop hein, d'avoir des problèmes pour l'instant. 0% de ce côté-ci. Est-ce que ça pourrait pas monter un peu plus vite, s'il vous plaît? Non, ça veut pas monter plus vite. Ça, c'est dommage. Bon, le siège se fond rapidement, hein, c'est pas trop un problème. 26 jours, c'est plutôt rapide quand même. Ouais, j'ai pas trop de. J'ai pas beaucoup de puissance administrative, ce qui me pose un problème. Enfin, quoique j'en ai, mais donc je vais pouvoir peut-être prendre des territoires. On va voir ce qu'on peut faire avec Boukhara. Ah, et là c'était carrément. Ils se sont fait envahir. Norvège, Vinland. Ah, j'ai même pas pu attaquer. Ils sont déjà attaqués. C'est quoi cette guerre-là? D'accord, ils attaquent la Serbie. Ok. Et forcément, moi ça m'arrange pas. Donc, Gugé, par contre, moi ça m'intéresse de prendre leur province.
Et pour l'instant, ils ne veulent pas. D'accord, très bien. Bon, bah j'aurais raté l'occasion. Venise qui s'attaque à un peu tout le monde. Là, va falloir vraiment que Venise, j'arrive à les calmer aussi. Allié, oui, d'accord, à Gênes. Forcément. J'ai paysan de Crimée qui, okay, qui pose des problèmes. Bon, ça c'est pas gênant pour l'instant. Aigugé, est-ce qu'on veut bien me donner ce que je demande? Pour l'instant, non. Bon, en tout cas, on va s'arrêter là pour cet épisode, hein, puisqu'on est au bout des 20 minutes. Et ben, je vous dis au prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut!